Hey, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver sur Harry Potter Secret à Poudlard pour le chapitre 19. On se retrouve pour la suite de l'aventure, les sortilèges impardonnables. Alors que vous approchez de la prochaine cave maudite, vous allez devoir affronter des sorts parmi les plus puissants et les plus sinistres du monde. Je tiens encore à m'excuser si ma voix est différente que d'habitude, je sais pas, elle a du mal à revenir, elle a pas très très envie. Mais juste avant de commencer cet épisode, je tenais à mettre au point deux petites questions qui j'ai l'impression reviennent dans tous les commentaires de tous les épisodes d'Harry Potter Hogwarts Mystery. Déjà la première question qui est: quels jours sont les épisodes d'Harry Potter? Donc c'est tous les samedis, soit à 10h soit à 11h en fonction de comment est-ce que j'ai pu réussir à filmer plus ou moins la quête ou le chapitre. Et la deuxième question qui revient beaucoup, c'est: peux-tu faire plus d'Harry Potter ou pourquoi tu n'en fais pas plus? Mais malheureusement je ne peux pas les amis, parce que je suis arrivée au bout de ce qu'il y a de développé entre guillemets, si je peux dire, au niveau du jeu. Et chaque jeudi soir nous avons une mise à jour de contenu qui rajoute de nouvelles choses, soit un chapitre, soit une quête temporaire. Et là du coup, par exemple, pour aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chapitre qui est débloqué. En gros, si je le termine, ça va me marquer qu'il faut que j'attende la prochaine mise à jour. Voilà pourquoi il n'y a pas plus d'Harry Potter et que c'est la raison pour laquelle on se retrouve chaque samedi pour un seul unique épisode. On va parler à Dumbledore. Je sais même plus comment on s'était arrêté parce que du coup la semaine dernière il y a eu une quête qui était fantastique, la quête du bal. J'ai eu des retours et vous m'avez tous montré votre tenue et tout. J'ai pu voir des points de vue différents du jeu, c'était juste fantastique. Bienvenue Fluffy, sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir? Pour m'apprendre quelque chose, pour me faire perdre mon temps, pour me donner 100 points de maison? Ah, c'est dommage, j'ai pas le... Bon, bah pour m'apprendre quelque chose du coup. Le professeur Rogue m'a dit que vous vouliez m'apprendre une leçon importante. Oui, mais les meilleures leçons sont celles qu'on apprend par soi-même. J'aimerais que tu utilises ta légitimité sur moi, Fluffy. C'est un test? Rigpik a déjà prouvé que je ne suis pas assez forte pour surpasser l'occlumencie. Ce n'est pas un test, pas pour toi en tout cas. Tu as posé de nombreuses questions depuis ton arrivée à Poudlard, mais je ne t'ai pas beaucoup apporté de réponses. Il est temps de te laisser trouver les réponses par toi-même. Si vous le dites, je vais vraiment utiliser la légitimité sur Dumbledore. J'y arrive jamais à ce truc-là. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu utiliser ce pouvoir sur Dumbledore, c'est juste génial. Oh. As-tu trouvé ce que tu cherchais, Fluffy? Oh non, j'aurais tellement aimé voir des images. Pas tout, mais j'ai pu voir à quel point vous avez aidé mon frère. Je t'avais dit qu'il m'intriguait, mais comme souvent, c'était plus compliqué que cela. J'ai pu voir son obsession le changer au fil du temps. J'avais peur qu'elle le conduise à la folie, ou pire. J'ai les mêmes inquiétudes à ton sujet, Fluffy. Vous pensez que je suis trop obsédée par l'idée de trouver mon frère? Par ton frère? Les caves maudites? Le fait de sauver Béatrice Waywood? C'est compréhensible, cela dit. Tu es une Gryffondor particulièrement courageuse. J'aimerais que tu laisses les professeurs gérer ces questions. Concentre-toi davantage sur tes amis et tes divertissements. Ou mieux, tes études, tes examens, ceci est une école après tout. Comment est-ce que je peux me concentrer sur ça alors que mon frère et Béatrice ont de tels problèmes? Parce que si tu ne le fais pas, toi aussi tu vas finir par avoir des problèmes. Tu dois prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres, Fluffy. De plus, les réponses difficiles se trouvent parfois là où on ne les attend pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas ce que ça voulait dire, ce qu'il nous a dit, ou du moins j'ai pas compris. Ah, j'ai toujours ma robe de bal. On est dans le thème. Je suis content qu'on se voit. Ça va me faire du bien d'arrêter de m'inquiéter pour mes bus. Mon cerveau est fatigué. Même moi, j'en ai marre de réviser. Moi, j'en ai même pas révisé. Je vais tout faire à la dernière minute. Je suis heureuse qu'on puisse passer du temps ensemble. J'ai l'impression que je n'ai pas vu mes amis de toute l'année. Dumbledore avait raison de dire que j'ai besoin de repos. Racontez-moi ce que vous avez fait, tous. En parlant du bal, j'espère que vous avez tous pu finir cette quête parce que franchement, elle était géniale. Et on m'a fait remarquer que j'avais gagné les trois robes au final et pas juste celle que j'avais prise. J'ai pas été vérifiée, mais j'espère que c'est le cas. C'est génial de passer du temps avec tout le monde. J'ai l'impression d'avoir raté des tas de choses. Il faut qu'on trouve la prochaine cave pour aider mon frère et Béatrice. Mais je trouverai du temps pour chacun d'entre vous. Merci, Fluffy. On devrait s'asseoir à côté en cours. Attends, on n'est pas déjà assis à côté en cours? Je suis sûre qu'on va passer plein de temps ensemble en retenue, Fluffy. Ça fait toujours plaisir de te voir, Fluffy. Même si je n'ai vraiment pas envie. Même si je n'en ai pas vraiment envie, il faut que je retourne étudier. Ah. Très sérieuse. Je quoi? Elle est trop bizarre d'un seul coup. Ça va, Rohan? Rohan? Quoi? Je t'avais dit que la mort s'abattrait sur Poudlard, Fluffy Life. Ils peuvent pas laisser cette musique à ce moment-là? Non! Lequel de tes amis va mourir?
ça c'est dommage. Ah, ça c'est vraiment... Ça c'est... Je viens de vous lâcher le rire le plus nerveux. Mais mon Dieu. Mon Dieu. Qui est-ce que je peux choisir? Je ne peux pas choisir entre Rohan ou Ben. Je peux pas donner la mort à un de mes amis comme ça. Mais c'est pas possible. Pas avec cette musique, pas dans la cour de l'école, pas comme ça. C'est inattendu, c'est pas possible. D'un côté, je n'ai pas envie de donner la mort à Ben. Je m'explique pourquoi. Parce que le pauvre, c'est le petit fragile qui est mal. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et j'ai pas envie de lui faire ça. Mais d'un côté, c'est le personnage avec lequel j'ai le moins d'affinité. Si on peut dire. Et donc, du coup, bah, je vais choisir Ben. Parce que Rohan, c'est Rohan. Et... Mais d'un côté, c'est elle qui mériterait la mort. Parce que je sais pas, elle vient de se faire. Si je dois vraiment choisir, alors ce serait Ben. Oh le pauvre, non! Pourquoi moi? Tu as essayé de me tuer! C'est un argument. C'est vrai. On m'a forcé à le faire, Fluffy. Mais je comprends. Vas-y. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit blessé. Quoi? Pourquoi Barnabé? Barnabé? Kipendo! What? Ah bah elle est rentrée dans le sol. Comme ça au moins on n'en parle plus. Tes amis sont un peu étranges, Fluffy. Ça va, Barnabé? Pas vraiment. Mais je préfère que ce soit moi plutôt que Ben. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Désolée, Ben. Ce n'est rien. Il faut juste qu'on découvre qui est derrière tout ça. Si quelqu'un a fait le choix de Rohan, s'il peut me le dire, s'il vous plaît. D'abord, il faut qu'on emmène Rohan à l'infirmerie. Qu'est-ce qui se passe si j'aurais choisi Rohan? Par contre, ils auraient pu faire un petit effort pour la musique, parce que la musique toute douce de Hogwarts Mystery, quand on t'apprend qu'il y a un de tes potes qui va mourir, bon, c'est un peu moyen, quoi. J'aurais pu faire des choses de fin. Est-ce que Rohan va s'en remettre, Madame Pomfrèche? Oh. Je crois, oui. Je pense que Mademoiselle Canna était sous l'influence du sortilège de l'Imperium. Forcément. Le sortilège de l'Imperium, il permet au lanceur de contrôler complètement la victime. C'est un sort puissant et sinistre. L'un des trois sortilèges impardonnables, lourdement puni par la loi des sorciers. Comme si vous aviez le moindre respect pour la loi. Si vous voulez dire quelque chose, dites-le à Severus. Je préfère vous laisser creuser votre propre tombe. Est-ce qu'il y a un moyen de découvrir qui a fait ça à Rohan? Il est extrêmement difficile de déterminer si Mademoiselle Canna était sous l'influence du sortilège de l'Imperium. Et encore plus de savoir qui en est l'auteur. Ça veut dire qu'elle aurait pu lancer... Oh mon Dieu. Vous pourrez avouer votre culpabilité en nous épargnant beaucoup de désagréments. Oh. Je préférerais effacer ce sourire arrogant de votre visage graisseux d'un revers de la main. Oh. Ouh, mais dis donc, ça suffit. Si vous voulez vraiment vous chamailler comme des enfants, allez le faire ailleurs. Je ne partirai pas avant de savoir qui a fait ça, Mademoiselle Canna. Voyons voir si Rohan se souvient de quelque chose. Comment veux-tu qu'elle se souvienne de quoi que ce soit? Vous voulez dire que la personne qui a lancé le sort devait être dans la cour quand c'est arrivé? Le temps et l'espace sont des variables importantes en Magie Life. Il y avait moi, Rohan, Barnabé, Ben et Jay. Je crois que Badea était là aussi. De toute évidence, le coupable n'est pas parmi nous. Qui d'autre était là? Il y avait un Weasley. Attendez. C'est là que tu te dis c'est bien de filmer, parce que comme ça, je peux revoir les enregistrements. Alors, pour moi, ce n'était pas Bill mais Charlie, mais c'était Percy qui était avec Croutard, avec son rat. Mais oui, mais forcément, Croutard. Il me semble que c'était Percy. Percy était là, mais il ne ferait jamais une chose pareille, hein. On ne sait jamais de quoi les gens sont capables, Mademoiselle Life. Vous êtes restée constamment attentive à ceux qui vous entourent. Votre formation de conjureuse de sorts porte ses fruits. 10 points pour Gryffondor. Je vais m'entretenir personnellement avec Percy Weasley. Je vous enverrai un hibou. Malheureusement, Percy n'était pas sur les enregistrements que j'ai pu faire, mais il me semble être en rentrée dans la cour et avoir vu Percy sur le côté au niveau des petites fenêtres, des petits balcons, et avec son rat, justement. Je suis pas sûre de moi. J'ai un trou de mémoire, là, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on fait dans l'allée des embrumes? Nous faisons ce que nous avons à faire en privé. Il y a autant de regards indiscrets à Poudlard qu'ailleurs. Ici, ils savent qu'il vaut mieux ne pas parler de ce que je fais. Vous avez découvert qui a utilisé le sortilège de l'Imperium sur Ben et Rohan? Laissez-moi vous poser une question, Mademoiselle Life. Pensez-vous que votre ami Rohan pourrait être R? Mais pourquoi? Mais non! Mais c'est quoi ce chapitre de fou sur lequel je peux pas faire les choix d'aptitude? Mon Dieu, en plus je suis hyper loin du niveau 24. Mais... Pff, aïe aïe aïe...
Bah du coup je ne suis pas sûre. Dites-moi ce qui se passe quand on fait les autres choix. C'est difficile à imaginer, mais je suppose que R pourrait être n'importe qui, y compris vous. Mademoiselle Kanda n'est pas mon principal suspect, mais je la prends en compte. Quoi qu'il en soit, vos souvenirs de l'attaque sont exacts. J'ai parlé à Percy Weasley et Weasley, eh bien, je ne le crois pas capable d'utiliser le sortilège de l'Imperium. Mon instinct me dit qu'il est d'une façon ou d'une autre impliqué de près, de très près. Son rat! On le répétera jamais assez, son rat! Je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'avez emmené dans l'allée des embrumes. Parce que la prochaine fois que l'on se verra, nous aurons trouvé le coupable. Et il nous faudra des réponses. Par n'importe quel moyen. Je vais vous montrer le sortilège de Loris. Mais c'est un sortilège impardonnable! Oui, et il pourrait vous sauver la vie. Et il est très utile pour soutirer des informations. Il faut que vous appreniez à lancer ce sort. Mais je ne veux pas l'apprendre. Je n'utiliserai jamais le sortilège de Loris. Alors je n'en ai pas besoin de savoir comment le lancer. Vous changerez d'avis une fois que je vous aurai préparé pour ma démonstration. Je pense que d'ici la prochaine fois, j'aurai travaillé mes aptitudes. Mais malheureusement, je vous avouerai qu'avec le travail et tout, bah, j'ai pas trop de temps pour pouvoir me permettre de faire les cours. C'est un peu compliqué. Et malheureusement, acheter des tenues, bah, j'ai pas non plus trop de pièces. Vu que j'utilise déjà bah, tout ce que j'ai à chaque fois pour acheter bah, des choses. Donc, c'est un peu compliqué de monter les aptitudes, je vous avouerai. Mais je trouve ça tellement hyper dommage que je puisse pas faire les choix par aptitude que... Du coup, cette semaine, je vais essayer. Surtout que là, clairement, si vous avez compris la même chose que moi ou si je ne suis pas folle, je pense que le prochain chapitre va être juste sensationnel. Et il faut que j'ai les aptitudes pour pouvoir faire les choix par aptitude. Je crois que vous savez de quoi ce sort est capable. Bien, place à la démonstration. Non, je n'utiliserai jamais ce sort impardonnable. Je ne veux même pas le voir en action. Oh non. Oh. Tu peux pas prendre quelqu'un comme ça au hasard dans la rue. Ah mais elle va prendre tous les gens. Arrêtez. Pitié. C'est de la torture, arrêtez, je vous en prie. Plus vous voulez infliger de douleur à votre victime, plus l'effet sera intense. Ce que vous venez de voir n'était qu'un avant-goût. Je ne veux faire de mal à personne. Ce que vous venez de faire était extrêmement cruel. Je n'utiliserai jamais le sortilège de Ruri sur personne. Et vous feriez bien d'en faire de même. Il ne faut jamais dire jamais, Mademoiselle Life. Rentrez à Poudlard. À notre prochaine rencontre, nous démasquerons l'un des plus méprisables personnages du monde des sorciers. Ok. Eh bien écoutez les amis, n'hésitez pas à laisser un like sur cet épisode s'il vous a plu. Et je pense que l'épisode de samedi prochain va être une tuerie. Waouh. Si c'est vraiment la personne à laquelle je pense que nous allons découvrir, j'ai vraiment plus que hâte. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve samedi prochain. Ciao tout le monde, bye bye.